Salut tout le monde, je suis super content de vous retrouver avec ce quatrième épisode du Decade Challenge. On se retrouve là où on s'était quitté, dans le chaos le plus total. Regardez-moi, les deux là, ils sont en train de puer et il y a les bébés juste à côté qui crient. Alors du coup, on va devoir les réveiller en pleine nuit, il est 3 h du matin. On va devoir aller les réveiller. Regardez-moi, ils puent, 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 puent. Les deux bébés sont en train de crier vivement qu'ils changent d'âge. Y en a un qui pue et l'autre je sais pas. Oh là là, babillé, apaisé, je sais pas ce qu'ils vont faire. Bercé, j'en sais rien. Je sais pas. Oh là là, regardez-moi, ils puent, ils puent, ils puent les deux. Toi c'est bon. Bah écoute, va te laver. Faut vraiment que Maximilien fasse la baignoire parce que là c'est pas possible. On commence l'épisode dans le chaos le plus Il est total. chiant, lui. Là, c'est pas possible du tout, du tout, du tout, du tout. De toute façon, c'est leur anniversaire aujourd'hui. Oui, c'est leur anniversaire. Enfin, c'était même hier, je crois. Donc du coup, on va aller faire changer d'âge. Voilà, nourrissez-les. Toi, va te laver un peu, Maximilien. Et après, on va les faire... Oh! Pourquoi ça va pas? Ça va toujours pas. Apaisé. J'en peux plus des bébés. Apaisé. Je sais pas ce qu'il faut faire. Et toi, Arthur, ça va. Changer d'âge. Et toi, plus de choix, changer d'âge. Oh là là, c'est d'abord Arthur qui grandit et Arthur a vieilli. Ah, les bambins, ces petits Sims passent leur journée à jouer, à explorer le monde et à apprendre à communiquer. Parfait. Alors, Arthur, lui, il va être pot de colle. Hop. Et on va changer l'âge d'Albert. Alors, Albert. Hop, il vieillit, vieillit, vieillit. Ouais, Albert a vieilli. Lui, il était assez chiant, donc il va être pénible. Super! Ils ont l'air mignons. Ils ont l'air tout mignons, tout plein. Ils sont où, les bébés? Oh, ils se ressemblent vraiment. Oh, regardez. Oh là là. Oh, les petits bébés. Oh, ils sont contents. Ils sont contents. Mais écoutez, on va aller les changer tout de suite de tenue. Et je vais vous montrer ça. Ils se ressemblent vraiment. Bon, voilà, j'ai terminé le relooking des garçons. Alors voici Arthur, Albert, pardon, voici Albert dans sa tenue quotidienne, habillé de dodo, de fête, de piscine, de temps chaud et de temps froid. Il n'y a pas vraiment d'habits pour les bobins de l'époque, même dans les CC. Et voici Arthur en tenue quotidienne, habillé de dodo, de fête. De piscine, de temps chaud et de temps froid. J'espère que ça vous plaît. Je vais essayer de télécharger d'autres CC parce que c'est vrai que j'en avais pas trouvé à part le dodo. Mais voilà, ça sera bien pour le moment, hein. On va laisser comme ça. Alors, Albert et Arthur, voilà. Du coup, il faut tout de suite qu'on change leur lit. Je vais changer ça tout de suite après leur tenue. Voici la nouvelle chambre qui va bientôt arriver.
Et voilà, j'ai fini l'amélioration de la maison. Donc comme vous pouvez voir, je n'ai pas seulement changé les lits, j'ai agrandi un petit peu la chambre, j'ai mis donc deux lits pour les garçons et j'ai créé enfin la petite pièce pour les parents et ils auront leur petite cheminée dans la chambre. Je trouve ça super sympa. J'ai aussi mis un panier à linge, il va beaucoup nous servir, et un petit jouet pour les enfants. Et donc ici, c'est un peu la partie un peu bibliothèque, voilà. Là, c'est un petit peu la cuisine, salle à manger. Et voilà, la maison commence à se construire avec l'arrivée des enfants. C'est chouette. Alors, eux, ils sont crevés. Pourtant, ils viennent de se lever, non? Dormir, va dormir. Et lui, il mange au bord de la piscine. Tout va bien. Écoutez, allez dormir tous les deux. Ah oui, non, parce qu'il s'était réveillé à 3 h du mat pour fêter l'anniversaire, c'est vrai. Et bah écoutez, les enfants vont faire leur truc tout seuls parce que là, ils vont bien. Voilà, pendant que les parents continuent leur nuit à cause des petits bambins, et bien eux, ils font un peu leur vie, ils découvrent un petit peu les choses de la nature. Donc du coup, j'ai du mal avec les prénoms. Albert, lui, il va faire un peu de construction. Et lui, Arthur, est en train de déambuler. Et il est super chou. Ils sont trop trop chou. Bon allez, toi ça va mieux. Tu vas aller aux toilettes et... Est-ce qu'il y a un des bébés qui a besoin? Est-ce qu'il y a un des bébés qui a besoin ou pas? Non, personne... Non, bon. Bah occupe-toi de toi et voilà. Bon lui aussi. Alors toi tu vas améliorer ta compétence là parce que ça va pas. Ça va pas. Du tour, tu vas faire, tu vas faire, tu vas faire ça. Fabriquer une sculpture en jouet. Hop, allez, il va nous faire ça. Ah, Arthur a acquis la. Ah, bah super, imagination, parce qu'il met le bazar. Tiens, va faire ton rôle de maman, toi. Plus de choix, éducation. Ah, sévère, à l'époque ils étaient sévères, donc il faut hurler dessus. Ah, il a gagné en responsabilité. Est-ce qu'on peut l'inciter à... Non. Non, ça doit être elle qui doit nettoyer. Bon. Alors, la maman. Est-ce qu'ils ont besoin de quelque chose? Non. Bah écoutez, amusez-vous tout seul pendant qu'elle va faire une petite peinture. Elle va mettre dans l'inventaire. Ah merde, il n'y a pas assez de Teamflouz. Ah, on peut vendre. Tout vendre, tout vendre. Tout vendre. Ça, non, on peut pas. Ah si! Manger pour deux. C'est bon. Elle est encore enceinte. Trop bien. Parfait. Parfait. Bon, bah dormez. Écoutez, vous êtes fatigué. C'est un peu une journée bizarre parce que tout le monde dort. Allez hop, tout le monde va dormir. La Victorine là, ça va pas du tout. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Qu'est-ce qu'elle a? Là, tu peux? Non, oui, elle a l'air de pouvoir. Qu'est-ce qu'il y a? Très triste, pourquoi? A fait un cauchemar. A faim. Oh, bah alors. Et le papa? Qu'est-ce qu'il fait le papa? Pourquoi je peux pas? Qu'est-ce qu'il fait le papa? Il fait pipi. D'accord. C'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Bon, ils vont prendre une portion, voilà. Elle a bouffe aussi. Non, pose ça. Voilà, alors ça. Hop, et tu vas nettoyer tout ça. Alors, eux, ils puent. Ils puent, ils puent, ils puent. C'est la galère. Bon, toi aussi, on va prendre une portion.
Oh là là, elle a s'endormi. Elle s'est évanouie. Bon allez, va dormir. Va faire dodo. Et toi, 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 toi. Toi après aussi tu vas faire dodo. Et toi aussi. Ah non, oh, il a trop peur. Oh là là, c'est la catastrophe. Prends dans ses mains amicales. Apaisé. J'espère que ça ira. Oh là, il y a des assiettes partout, ils bouffent partout et ils en mettent partout. Il faut vraiment. Ouais, besoin d'hygiène. Bah ouais, ben, faut. Bon, ça m'énerve. Quand est-ce qu'on peut faire un meuble? Quand est-ce qu'on peut faire la baignoire? Bon, je vais rechercher sur internet et si c'est dans trop longtemps, bah, on sera obligé d'acheter une baignoire, hein. Parce que là, c'est pas possible. Hein. Rassure ton fils parce que là. Voilà, non, t'inquiète, fiston, c'est rien, c'est rien, c'est rien. Voilà. Allez, Maximilien. Non, toi, va dormir. Et Maximilien, va dormir. Voilà. Voilà, c'est un peu moins le chaos. Et du coup, c'est sur cette fin de journée que nous allons nous laisser sur tout le monde qui dort, les petits et les grands. Voilà, c'était un épisode assez compliqué avec les bambins parce que bah, ils sont assez pénibles. Attends, c'est moi qui les ai mis pénibles et tout ça. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode du Ticket Challenge. Salut!